Je tiens à préciser que le président par intérim, le professeur Diakouna Traoré, le premier ministre, le docteur Cheikh Modibo Diarra, et ma propre personne sont en phase. Je profite pour bien sûr remercier le président de la République par intérim, le professeur Diakouna Traoré, pour la largesse d'esprit, la considération et le sens élevé du patriotisme qu'il a su mettre en amont pour bien sûr amener Sali un apaisement sur le plan social. Au-delà de tout ça, je reviens donc à la requête que le président par intérim, le professeur Diakouna, a adressée à l'organisation sous-régionale. Dans cette requête, en aucun instant, il n'est question de troupes pour sécuriser les institutions en République du Mali. Le professeur Diakouna Traoré, à son retour de Paris, il a eu à le dire qu'il fait confiance aux forces armées et de sécurité pour assurer la sécurité, bien sûr, des institutions de la République du Mali. Quant à la phase de recouvrement de l'intégrité du territoire, il a certes demandé des unités et du matériel, c'est-à-dire la logistique qui doit suivre, mais là aussi, ce besoin sera là au Mali en fonction de la réalité du moment et quand les forces armées maliennes se sentiront dans le besoin de se faire aider par des frères voisins.